Tigrex et bienvenue aujourd'hui pour Voici du mode carrière pro. Très heureux de vous retrouver pour la suite aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme. Nous sommes toujours bien sûr avec Manchester United pour terminer notre carrière. Et pour info, alors je vois encore des personnes qui me demandent, est-ce qu'il y aura d'autres équipes? Non, je n'irai pas en d'autres équipes. C'est vraiment ma fin de carrière à Manchester United pour info. Et on commencera une nouvelle carrière ensuite sur FIFA 18. Bon, après bien sûr le mode aventure, mais on aura une. Voire même en même temps, je ne sais pas encore, on verra bien. Allez, c'est parti. En tout cas, aujourd'hui on va jouer contre Celtic. Ils sont deuxième du groupe hein, en Ligue des Champions. Donc attention, c'est quand même une équipe qui peut nous faire très très mal. On y va, on joue bien sûr avec le maillot à domicile, hein, ça coule de source. Donc s'il vous plaît, les maillots. Voilà, les maillots ne s'affichent pas, mais non mais je suis con, c'est pas encore ça après. Voilà, le mec qui confond les écrans. Très bien, le maillot vert et blanc comme ça, impeccable, on fait bien la différence. Galaxy a l'air un petit peu fatigué, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jouer entièrement le match vu que nous sommes en Ligue des Champions. Par contre le prochain match effectivement que l'on jouera, on le jouera les amis, à mon avis effectivement à moitié. On fera la première mi-temps, c'est un match effectivement de première ligue, donc on jouera la moitié du match. Et la seconde on se reposera bien sûr, on se fera remplacer par un autre joueur très talentueux. Au programme du jour, un match de groupe de Coupe des Champions. En fait c'est le premier match retour entre guillemets. Hein. Donc là ça devient plus qu'important, surtout pour les équipes qui ont pris du retard. Quelle ambiance! Eh bien écoutez, c'est parti, nous sommes sous la pluie pour apprécier ce nouveau match aujourd'hui. Manchester United pour l'instant premier de ce groupe, Celtic qui sont deuxième. Donc logiquement, c'est un match au sommet aujourd'hui qu'on va pouvoir apprécier tous ensemble sur cette belle pelouse. L'arbitre Jean-Daniel Lacagne, arbitre français. C'est parti! Oh, c'est un signe ça, arbitre français, joueur français. On ne sait jamais, il peut y avoir un petit peu de le côté chauvin. Allez, on y va. C'est parti, on va essayer de bien jouer aujourd'hui les amis. Même si nous sommes sous la pluie, on peut faire quelque chose de très très bien. Je n'aime pas la flotte, mais bon, on va essayer de jouer le mieux possible. La faute directement sur le joueur de Manchester. Et Brown qui fait une faute, et déjà tout crado sur le coude. Comment ça se fait? C'est bizarre. Crado Brown. Allez, la faute effectivement directement sur le joueur de Manchester. Ah tiens, c'est nous qui faisons le truc. Tu me refiles la passe, très bien. On va avancer pour Galaxy peut-être. Oui, c'est bien joué, la frappe pas tout de suite. Ah dommage. Dommage, il aurait été effectivement en bon équilibre. Peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose de pas mal. Loupé en tout cas. Attention, ça repart. Ça repart de l'autre côté pour les Celtics. Oui, bien récupéré par Manchester. Allez, en tout cas, nous on est bien placé. La passe pour Galaxy, très bien joué. Allez, on voit directement ici, c'est bien joué. Galaxy directement en profondeur. Galaxy maintenant. Oh, j'ai essayé de passer, dommage. Ça aurait pu être vachement intéressant. On renvoie sur le côté gauche. Allez, accélération, mon ami. Pour Galaxy direct. Attention, Galaxy qui repart un petit peu en arrière. Galaxy ne prend pas de risque. On envoie sur le côté. Allez, vas-y, essaye de rester bien là. On va revenir un petit peu en arrière. Je t'ai vu, vas-y, bien joué la passe. La frappe maintenant, la frappe qui est surprenante. Je ne l'avais pas demandé de frapper du tout. Il a voulu tenter. Et pourtant il n'était pas forcément bien placé, il n'était pas en bonne position. Bref, je n'ai pas compris cette prise de décision de faire une frappe à cet endroit-là du terrain. Mais enfin bon, allez, dégagé par les Celtics. On va repartir. Ça peut être dangereux. Bien sûr qu'on va repartir. Il est passé Galaxy, pour l'instant il passe. On va essayer de repasser au centre. Galaxy, action, solo. Ah, j'ai tiré, ça va faire un corner. Ah, dommage, j'étais passé à 7,9, j'avais réussi à passer un petit peu quelques joueurs. J'ai tenté. Et je me suis brûlé les ailes. Allez, à tête maintenant, repousser directement. On va retenter peut-être un second centre, peut-être. Non, pas de centre. Le programme. Ah, ça va être récupéré par la défense. Et ça repart de l'autre côté. Aïe, 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 pour l'équipe écossaise. Qui ont un beau t-shirt. On va se l'avouer. Allez, pour l'instant, ça passe. Mais pour combien de temps? Et voilà, c'est déjà terminé, bien sûr. On va récupérer ce ballon maintenant. Ouais, je l'ai vu, même si, bon, là, on s'enferme un petit peu, clairement. Hein, on s'enferme. Allez, bon gars, on va accélérer du coup avec Galaxy. On accélère maintenant. Incroyable, Galaxy qui accélère. Maintenant, la frappe comme ça enroulée, peut-être. Oui, oui, le but de Galaxy sur une frappe enroulée. Le but incroyable qui le fait passer directement à 9,3 de moyenne. Magnifique. Quelle frappe de Marc Galaxy ici. Après de superbes dribbles sur les défenseurs des Celtics. Regardez-moi ça. Pourtant, la frappe n'était pas folle. Hein. Pourtant, la frappe n'était pas folle. Disons que le gardien n'a pas été inspiré sur. Effectivement, sur sa ligne. Magnifique. Bon, un but est un but. Et en plus, c'est une frappe. Le gardien, c'est un petit peu troué. Mais enfin bon, tout va bien. Un but à zéro pour Manchester. Avec un but de Marc Galaxy, de notre joueur. Ça fait du bien plaisir, on va se l'avouer.
Allez, mine de rien, j'ai hâte, désolé, de pouvoir jouer à FIFA 18. Hein. Clairement, là, j'avoue que de plus en plus, j'ai la hype. Surtout quand je vois un petit peu la bande-annonce pour le mode aventure, ça va être juste énorme. Ouais, attention, la roulette de Galaxy peut-être. Oh, dépassé pour l'instant, dépassé. Passement de vauteur incroyable, quelle action! Et oui, oh non, ça aurait pu se conclure. Quelle belle action qui est partie du français. Ça, ça aurait pu être chaud, clairement. Allez, que de belles actions aujourd'hui. Nous sommes inspirés dans les moves. C'est plutôt pas mal. On est un peu plus vif que d'habitude, je trouve. Allez, petite demande de passe. Anthony Martial. Bien joué, allez, Martial pour Galax maintenant. Attention, ça va se jouer. La roulette maintenant, la frappe directe de Galax. Et c'est repoussé par le gardien. Quelle action, encore une fois. Allez, niveau roulette, en ce moment, on est inspiré. Moi, je vous le dis, entre l'épisode précédent et celui-là. Laisse tomber. Ah, par contre, effectivement, on va devoir se faire changer. Après cette première mi-temps, effectivement, oui, on le remarque. Allez, ça circule pas mal. Ah, dommage, il aurait pu me la refaire directement ici. Ça aurait été très dangereux. Je l'aurais récupéré et j'aurais tenté une frappe. Une frappe lointaine, certes. Quoique, j'aurais pu avancer. Ça aurait pu être intéressant, encore une fois. Allez, pour l'instant, ça joue bien. Ouais, récupérer pour Galax maintenant. Vas-y, bien jouer la frappe. C'est quoi cette frappe, Mata? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi cette frappe? Il t'a fait une toute droite. Le mec, il t'a fait une toute droite. J'y crois pas. Allez, 7 tirs de Manchester, 0 tir des Celtics pour l'instant. Des Celtics, du moins pas, pardon. Hop. Bonne anticipation. Toujours tendance à confondre avec l'équipe du basket, moi, évidemment. Attends. Oh oui. Non, attention, j'étais hors jeu là, je pouvais pas y aller mieux que ça. Le centre pour Galax peut-être. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'étais là. Alors, effectivement, je lui ai demandé un centre. J'ai fait un appel pour un centre, mais j'ai dit sur moi, pas en arrière en fait. C'était pas ça la strat. Eh ouais, mon gars, c'était pas du tout ça la strat. Allez, récupération. Et c'est repris par les Celtics. Allez, bien, bien, tu m'as vu. Ah, non, dommage. Oui, le compte de Galax, attention. Galaxou qui passe, Galaxou pour l'instant. Galaxou, la vitesse maintenant de Galax. Peut-être comme ceci. Oh, attention, comment on va faire la frappe maintenant de Galaxou. Oh là là, mon dieu. Directement capté par le gardien. C'était dangereux, la pression était présente. Et je n'ai pas assumé. Incroyable. En tout cas, on aura fait de belles actions cette première période. On n'est pas déçu de notre match. Impeccable, 1-0 voilà, en tout cas pour Manchester. À la mi-temps, je pense qu'on va s'arrêter là avec notre joueur. Quoique non, je suis conseillé avec des champions. On va peut-être aller au bout de ce match. Et pour l'instant, impeccable, 4 tirs, un but. Et puis surtout, il a plutôt bien joué, on va pas se mentir. Bon, il n'y a que 1-0, c'est un petit peu chaud de se dire qu'on va faire effectivement qu'une période. Même si effectivement, il est un peu fatigué. Moi, je me dis que ça aurait été bien de faire qu'une période ici, mais bon. Non, on va quand même finir le match. Allez, nous allons quand même finir le match. Et Paul Pogba qui va rentrer, qui va remplacer Juan Mata. Et c'est pas plus mal vu le tir qu'il nous a montré juste avant. En général, ça combine un peu mieux entre Pogba et moi. Et Mata a fait vraiment pas forcément des bonnes choses en première période, on l'a vu. Allez, c'est parti. Ça commence déjà à bien combiner. Allez, Pogba Galax. Ouf, oulala, attention, il y a pas une petite blessure là? Ça a l'air d'aller apparemment, mais ça me paraissait un peu violent. Effectivement. Allez, profondeur. On s'approche de la zone de vérité. Profondeur, bien joué. Tourner. Allez, le centre peut-être de Galax maintenant. De ce centre. Ah, il aurait pu être mieux effectué, effectivement, c'est pas mal. Non. On voit bien qu'il est passé Galax. Oh, penalty. Penalty. Non. Ah, oh, c'est bizarre. Penalty, carton rouge. À venir. Le mec qui rage pas, tu sais. Penalty, carton rouge direct. C'est tout. Allez, Pogba. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais du tout. En plus, je me fatigue pour pas grand chose. Faut pas faire des conneries comme ça quand t'es déjà limite niveau énergie. Ça passe pour les Celtics. Allez, attention. Gervinho récupéré par Manchester. Allez, ça va relancer. Ah, ils ont Dembélé. Ah, mais c'est pas Ousmane. Je comprends mieux. Allez, c'est parti pour Galax sur l'aile gauche, droite du moins. Il est parti. La fusée est partie. Oh, le beau tacle. Oh, la faute. Le beau tacle, oui et non, parce qu'il y a une faute. Ça fait un beau coup franc pour Manchester. Un petit peu trop sur le côté, ouais, mais ça fait un coup franc quand même. Et Neymar qui va rentrer, qui va remplacer Lingard. Histoire de préserver le résultat. Allez, on va essayer de se placer ici. Allez, on n'est pas hors jeu, forcément. Nous ne sommes pas hors jeu, mesdames, messieurs. Qui sort le carton jaune. Ouais, le mur n'est pas à distance réglementaire. Carton jaune, apparemment. Il y a eu un carton jaune, d'accord. Parce que maintenant, avec le spray, ça se voit. Hein. Le mur n'est pas à distance réglementaire. On essaie de sortir un petit peu d'ici. Galaxou, peut-être pour la tête. Non, j'ai trop avancé. Et c'est bien dégagé par l'équipe écossaise. Allez, on va y aller, les gars. On s'incruste. Pogba, la frappe de mule. Galax la frappe. Oh, repoussé par le gardien. C'était un bon tir tout de même.
Et Gordon qui dégage ce ballon. United qui va pouvoir tirer le corner. Allez, tu m'as vu. Au centre. C'est repoussé. Il dégage. Attention. Bien. Ouais, pourquoi pas. Je l'ai vu. La frappe maintenant tout de suite. Oh là là, c'est tellement bien joué ça. C'est tellement bien joué la demande de la frappe. Et là, ça ne rentre pas, mais ça aurait pu. Hein. Très largement. C'était intéressant. Dommage parce qu'on provoque des belles occasions. Et Lia n'arrive pas à les rentrer dedans. C'est vraiment dommage. Apprendre à viser. Apprendre à viser. Allez, c'est bien. Merci. Ah, oui, c'est bien joué. C'est bien joué tout ça. Oula, Neymar, qu'il s'est passé? Il s'est passé quoi avec Neymar là? Non, excuse. Ballon perdu par Neymar sur cette passe. Ah merde, excuse. Deux fois excuse. Allez, c'est récupéré, bien joué. Heureusement que j'ai des bons joueurs ici. Ouais, bien vu ce centre. Heureusement que j'ai de très bons joueurs. On n'a pas réussi à couper la trajectoire et ça repart de l'autre côté. Gervinho. Attention. Ça continue Dembélé. Gervinho toujours. Imperturbable. Récupéré par Manchester United. Il reste 15 minutes dans ce match. Un peu plus. 25 minutes. Oh là là. Violent, hein. C'est violent. Et non, il restait bien 15 minutes. Hein. Exact. Ah, l'attaque enrayée. Ah, tu m'as vu. On repasse sur le côté. Ballon, allez, ouais, on lance. Pousse, là, dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu, hein. Allez, gros. On en est à 10 minutes. Bien joué. Accélération, pas mal. Ah, c'est récupéré. Oh, attention. Le centre, peut-être pas. Fallait centrer. Eh non, c'est bien. Non, il a fait de la conservation du ballon parce qu'effectivement. Attends, je lui demandais un truc. La petite passe, mon gars, petite passe. Bien joué, on tente quelque chose. Oh, il n'est pas seul. Je tente une petite action là. Non. On s'est trompé. En même temps, j'avais plus de barre, c'est pour ça. Moi, je me croyais encore frais, tu vois. Alors que pas du tout. Allez, c'est pas grave. On oublie ce qu'on vient de faire. Bon, ça foire un petit peu le match, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas une action qui change un match. Hein. Enfin, ça peut. Mais bon, là non. Allez, la balle, s'il te plaît, merci. Je te fais vite la passe, mon gros. Oh, elle est pas bonne à la passe. Passe effectivement assez incertaine. Allez. Non, tu m'as vu. Il a vu son partenaire qui le centre maintenant, le pas mal. Ouais, l'intention ça aurait pu être très intéressant. L'intention était bonne. Il a failli l'avoir. On reste à 9,4 de moyenne. C'est comme une bonne note. Comme une bonne note. On va se repasser un petit peu au centre. Allez, faites pas de conneries. Le centre maintenant pour Galax, peut-être. Oh là là. Galax, oh les boules. Oh les boules. Et il y a eu hors-jeu de Paul Pogba apparemment. Il se retrouve hors-jeu. Ah quel dommage. J'avais réussi à avoir ce ballon à frapper. Mais à ne pas marquer, dommage. Tu m'as vu. On s'approche du but. Allez Galax, attention. Oh non. Pardon, fallait passer le ballon. Eh ben oui, dommage pour cette dernière action. Allez, tant pis. Victoire bien sûr de Manchester United. Qui assure sa suprématie en ce groupe. Et qui bat le second du coup de ce groupe. Impeccable. On est plutôt content de notre performance aujourd'hui. Et eux peuvent être un petit chouïa déçu parce que mine de rien, 1-0 je crois. C'est pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon, hein, dans cette rencontre. 7 tirs, un but. Ouais, par contre, niveau ratio de conversion, ouais, c'est pas fou. Allez, 1-0 pour Manchester, fin du match. Bon, une victoire tout de même, c'est le plus important, évidemment. Hein. Voilà, c'est important. Allez, maintenant, direction un petit match contre un club un peu moins... Enfin, je ne dirais pas non plus un club de malade, mais logiquement, ça va être un peu plus simple encore une fois ici. Allez, on accélère, bim et bim. On va jouer du coup contre eux. C'est contre qui? C'est contre Burnley, je crois. Je suis pas sûr. Joueur appelé en sélection. Oui, il y aura également, les amis, un match logiquement en équipe nationale. Je ne sais pas si j'ai été appelé. On verra bien. C'est contre l'Afrique du Sud, il me semble. Hein. On va jouer contre Bournemouth. Ah ouais, pas contre Burnley. Voilà, je me trompe à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autres joueurs appelés en sélection? Sélection nationale, équipe de France. Alors je suis informé que t'es sélectionné dans l'équipe de France dans la prochaine compétition amicale, Afrique du Sud. Voilà, je suis sélectionné du coup. Donc j'espère que je serai effectivement titulaire et que je pourrai jouer contre l'Afrique du Sud. Allez, on va jouer contre Bournemouth. Et là par contre on va faire uniquement, je pense, la première mi-temps. On va jouer en bleu, tiens, pour changer un petit peu. On va jouer en bleu. On est comment au niveau de la forme? Ouais, en plus on est sur le côté gauche. Ah, c'est pas dingue. On va se mettre en paramètres de jeu, les amis. On va se mettre en... pas en nuageux parce que c'est moche. On va se mettre du coup en clair. Voilà, histoire d'avoir un petit peu un match sympathique avec du soleil, s'il vous plaît, messieurs. Ce serait bien. Ce serait sympathique. Voilà. Bim. Dans le carton. Enfin, dans le mur, du moins. Regardez, je passe au-dessus. Iouh.
Bonjour, c'est Hervé Matou avec son vieux complice Pierre Ménès. On va vous commenter cette rencontre. Oui, bonjour Hervé, le complice te remercie. Tu es bien aimable, mon petit. Bonjour à vous qui nous regardez. À l'affiche aujourd'hui, Bournemouth face à Manchester United. Alors, la meilleure défense du championnat anglais, eh bien, vous l'avez devant vous, c'est celle de Manchester United. Ah, c'est solide derrière, hein. La tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Et en même temps, un but encaissé, c'est vrai que c'est exceptionnel. La deuxième équipe avec la meilleure des défenses a quand même 8 buts encaissés. Il y a une énorme différence. Allez, c'est parti pour ce match. En première ligue, mesdames et messieurs, ça va commencer. Je l'espère, sous le chapeau de roue, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Allez, on y va. Pas d'erreur de passe, s'il vous plaît. Le minimum de déchets. Si possible, bien jouer ça. On revient un petit peu en arrière. Je l'ai vu. Non, pas lui, je voulais. Bien joué. La frappe attend tout de suite. Bien joué. La frappe. Oh, c'était pas mal ça. Hein. Première action collective intéressante de la part de Manchester. Ça joue bien. Ça joue de mieux en mieux avec cette équipe. Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé dans l'équipe et on commence déjà à avoir quelques automatismes avec différents joueurs. C'est intéressant. Allez, au centre maintenant. Le corner. Oh, on est là présent à la tête peut-être. Ça va être récupéré. Non, ça sort. Est-ce que c'est nous? Non, d'accord, c'est encore un défenseur. Super. Intéressant, troisième corner d'affilée. C'est repoussé encore une fois. Et bis repetita. Sauf que ce que c'était une touche. Toujours pour Manchester. Ah, tu m'as vu. Tu m'as vu derrière. Retente le centre. Un peu long, peut-être, pourquoi pas. C'est une belle idée apparemment. Merci le jeu. Il est gentil avec moi le jeu quand même. Il est sympathique. Ne perds pas le ballon surtout. Ne perds pas le ballon. Le petit geste technique, la petite feinte de frappe. Aïe aïe aïe. C'était donc pas la meilleure idée, mon cher ami. Manchester United à l'attaque. Bien joué. C'est bien ça. Bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ah putain, j'ai essayé de faire une feinte de frappe, de passer au milieu. En même temps, c'était vraiment très resserré. Mon projet était bizarre, je vous l'avoue, c'est vrai que mon projet était un peu étrange ça. Et était à mon avis voué à l'échec, c'est vrai. Allez, c'est bien joué ça. C'est bien joué. La frappe maintenant directement sur le gardien, c'est complètement nul. Pourquoi tellement sur le gardien quoi? Benema, rentre. Viens nous aider. Ils sont nuls ceux-là. Non, y a personne qui est nul à Manchester, mais bon. Disons que voilà. Un petit Neymar, ça fait toujours du bien. Pour l'instant, il s'est pas vraiment illustré, hein, Neymar. Hein. Ça manque un petit peu, effectivement, de démonstration technique de sa part. On espère qu'il propose mieux, parce que vu la note qu'il a, voilà quoi. Il faudrait en tout cas. Allez, putain, il me bloque. Les 30 derniers mètres. Ah, le bon tacle. Le ballon. Dommage, je récupère. L'arbitre fait signe. Ah, salaud. Il y a faute, évidemment. Mais arrêtez, vous êtes bourrin. Vous êtes des gros bourrinos. C'est pas gentil. Alors, un petit carton jaune. Un petit carton jaune ou pas carton jaune? Qu'est-ce qu'il note sur le papier? C'est pas un carton ça? Non, peut-être qu'il prend juste des notes. Je sais pas, il continue à noter, on se demande ce que c'est. Ok. Allez, la frappe directe. Et c'est à côté, c'est au-dessus. Ouais. Dommage. Tremblé, hein, sur cette action. Mon cher Dybala. Peut mieux faire, comme on dit. Peut mieux faire. Allez, 23 minutes de jeu, pour l'instant 0 but. Il se passe pas trop grand chose, il y a eu une belle occasion quand même. Et pourquoi il dégage direct sous la pression? Oh là là, ils font vraiment pas le figure hein, par rapport à Manchester. C'est terrible. Tellement pas le figure. Vas-y, tu m'as vu. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Allez, peut-être pourquoi pas. Ça aurait peut-être intéressant ça. Ça aurait pu. Je dis bien, ça aurait pu. Ça n'a pas été, mais ça aurait pu. Frappe de Galax. Oh, quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien incroyable. Vous avez vu ça? Sérieusement, comme je l'avais frappé en puissance en plus. Oh, comme il l'a sorti. Oh, je suis choqué. Non, je suis encore choqué, tu vois. Attention, sans déconner. Je suis encore choqué. Vas-y, je vais au centre, mec. Ouais, pourquoi pas, vas-y. Putain, on était trois au centre. Ouais, bien parti. Dommage. Au centre, mais y avait personne. Allez, corner encore une fois. Corner, pour Manchester. Permettre à cette équipe, hein, de on était bien au centre, là. Attention. Allez, la tête peut-être. Ah, je suis pas assez grand. Faudra que je m'entraîne encore une fois à la tête. Il me semble que je fais les entraînements de tête, d'ailleurs. Je suis pas convaincu, mais il me semble. Et c'est plutôt utile. Allez, on a l'air d'être un peu plus en forme effectivement que le match d'avant. Je pense qu'on gardera un peu plus de barre bleue pour la seconde période, même si on ne jouera pas en seconde période, hein, vu qu'on va se reposer pour le match ensuite avec l'équipe de France. Parce que ça va quand même être plus important que ce match aujourd'hui. Même si là pour l'instant 0-0, on va essayer d'assurer le coup quand même après, hein, ce serait pas mal. Allez, on va essayer de jouer maintenant, ça joue vite. Allez, Galax maintenant, en pointe, Galax directement, on y va. Ça progresse bien, tu m'as vu mec, tu m'as vu. Non ! Non plus ! Compliqué ! Ah, ça passe pour la défense qui a réussi à récupérer le ballon. Pour l'instant, on n'est pas aussi perçant effectivement que le match d'avant. Et pourtant, on est plus en forme. Tu vois, comme quoi ça ne veut
pas forcément dire grand chose. Mais non, mal joué encore une fois, je me retourne alors qu'il y a un défenseur. Quelle connerie. Ouais, ça va être récupéré par Manchester, forcément. S'il fait pas de conneries, bien sûr. Pourquoi tu dégages comme ça? Mais t'avais du monde par derrière. Mais pourquoi tu... Défense demande. Ouais, Galaxou, heureusement qu'il est là lui hein. Allez, accélération Galax, sur l'aile gauche, c'est parti. On lance tout. Lancez les chiens. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, Galaxou, peut-être pour une action personnelle maintenant. Frappe de Galax. Et c'est repoussé par le gardien. J'ai voulu tenter de la jouer perso. Ah, dommage que ça ne rentre pas, ça aurait pu. Ah, il nous remonte les images, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse. Et le but. Et oui. Là, c'est le but, mesdames, messieurs. Oui, oui, oui. Le but de Manchester United qu'on n'a pas vu venir. Quelle action bizarre. Eh oui, mais c'est le but. Et c'est beau. Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'est pas un grand but, hein, il ne restera pas dans les annales, mais effectivement, pas de hors-jeu. Il est là et ça rentre. C'est le plus important. 1-0 pour Manchester, du coup. On n'est pas inquiété aujourd'hui. Regardez-moi ça. L'action, petite passe. D'accord. Bon, c'est moche, mais ça rentre. Et c'est ce qu'on voulait. Voilà, Bailly qui marque 45ème juste avant la fin de cette première période. Et bah tant mieux, écoutez, voilà, c'est parfait. Ouh, j'ai failli la récupérer. Ok, 7,6 de moyenne pour Galax, c'est pas fou hein, par contre. Hein. C'est pas fifou. C'est pas FIFA. 1-0 à la mi-temps. Allez, 1-0 à la mi-temps, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, les amis, pour cette. Ouais, pour cette rencontre aujourd'hui. Et on va partir pour un 3ème match contre l'Afrique du Sud avec l'équipe de France. Allez, nickel. On s'arrête là, 1-0, en tout cas c'est impeccable, 7,6 de moyenne, c'est une bonne note, hein, c'est la mi-temps. Non, je veux m'arrêter là s'il te plaît, je veux m'arrêter là, demander remplacement. Voilà, et c'est Paul Pogba qui va remplacer Marc Galax. Incroyable ça. Changement de Marc Galax par Paul Pogba. Bah, c'est un petit peu comme au Real, on était remplacé par Ronaldo. Bon, c'est encore pire mais... bon, c'est plutôt bien du coup. Allez, simuler la fin du match, jouer la fin du match en tant qu'équipe. Simuler la fin du match, évidemment. Allez, on va voir un petit peu le résultat qu'il y a eu contre Barnbarth. Et après on jouera bien sûr contre l'Afrique du Sud. Alors, voyons voir. Calendrier, il y a eu combien contre Bournemouth? Il y a eu exactement, mesdames, messieurs, 1-0, c'est resté comme tel. Ça n'a pas changé, bah, c'est impeccable. Écoutez, match contre l'Afrique du Sud à venir, du coup. Alors, niveau classement, Manchester, ouais, toujours premier à 33 points. Leicester est deuxième à 18 points. On prend déjà énormément d'avance, effectivement, sur les équipes d'avant. Et je pense qu'ils avaient fait d'ailleurs un plutôt bon démarrage directement, quoi. Alors, entraînement, bim. On va prendre les entraînements d'avant. Alors, est-ce que j'avais l'entraînement à la tête? Je sais plus exactement. El Toro, la brésilienne, coup franc avancé, conservation ballon, finition, dribble, agilité, vista, passe courte, interception, marquage. Et non, apparemment, je n'ai pas effectivement la tête. Faudrait que je le rajoute dans les entraînements, du coup. Allez, toujours 82 de moyenne générale. Maintenant, la suite. Est-ce que c'est loin le match contre l'Afrique du Sud? Apparemment, c'est loin, peut-être. Alors, on n'a pas rempli la note demandée. On est à 8,60, effectivement. Ça, c'est à cause du match. Et le ratio de tir converti aussi est pas fou. Voilà, ça, j'ai remarqué. C'est pas grave. On le fera bien sûr pour la prochaine fois. Allez, match maintenant en sélection amicale internationale contre l'Afrique du Sud. Et je suis retenu en l'équipe. C'est beau. Ah ouais. Alors, normalement, on s'est bien reposé, hein. Normalement, on s'est bien reposé. On va jouer en bleu, évidemment. Évidemment qu'on joue en bleu, attends quand même. Et donc là, par contre, on est en pleine forme. Et voilà, on y va, c'est parti. On est en pleine forme pour ce match avec les bleus. Ça fait plaisir. Bon, vu le décalage qu'il y avait, comment dire, vu la différence qu'il y avait au final entre le match des bleus, enfin, vu en tout cas la liberté, vous savez, il y a des jours qui sont passés. J'ai un peu parlé. Il y a pas mal de jours qui sont passés entre le dernier match et le match avec les bleus. Donc, du coup, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être effectivement faire le match en entier avant. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce match international qui s'annonce sur le papier assez déséquilibré, Pierre. C'est vrai, il y a un monde d'écart entre les deux sélections, mais c'est du foot, alors tout peut arriver. Ouais, tout peut arriver, mais c'est France-Afrique du Sud, donc normalement on est bien sûr largement au-dessus. Oh, Fekir, salut. Bon, eh bien écoutez, les amis, on est parti pour ce nouveau match en équipe de France. Bien sûr, un grand honneur à chaque fois de pouvoir jouer pour l'équipe nationale, et ça fait du bien. Voilà. On mate à l'instant, on écoute bien sûr les hymnes nationales. Évidemment, je parle par-dessus, c'est un manque de respect incroyable. Certains vont me le dire, mais c'est pas grave. Voilà. Bah, elles sont courtes, hein, les hymnes, quand même. Hein. Elles sont très très courtes. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match. Let's go. On y va. France-Afrique du Sud. Logiquement, on n'en fait qu'une bouchée, surtout vu notre état de forme. On a la barre complète. On commence avec du 6 sur 10. Classique. Allez, c'est parti, mon gars. Est-ce qu'on retrouve Paul Pogba dans la composition? Attention, il a du sûrement. Champ devant lui. Allez, ça envoie, c'est parti. Ah non, excuse, c'est moi qui t'ai demandé une passe, j'aurais pas dû. Autant pour moi, mauvaise balle de balle, ça commence mal. Coquelin. Allez, Coquelin, d'accord, pourquoi pas.
Coquelin qui se démarque un petit peu. Coquelin le centre maintenant. Et c'est directement sur le gardien. Oh, j'ai tenté la tête tout de même. Oula, on s'est pris la tête avec un joueur là. Énorme. Au sens propre, hein, quand je dis on s'est pris la tête, c'est pas. On s'est vénère. Non, non. C'est, je vais rentrer la tête dans le joueur. Oh, magnifique tacle. Oui, Thibaut. Oui, Thibaut, ce tacle. Non. Carton jaune. Ouais, c'est un carton jaune. On n'a pas vu la même chose. Je n'ai pas vu du tout le même tacle. Mangala, il était parfait son tacle, je suis désolé. Ouais, bonne transmission. Pour moi, il était parfait son tacle. Allez, go. Ouais, peut-être un pour Galax maintenant, bonne relance, contre-attaque. Oh non. Pourquoi je fais ça? Putain, on était bon là, bordel, on était super bon. Ah là là, c'est incroyable les ouvertures qu'il laisse, quoi. Oh là, c'est un beau tacle, tu vas pas me dire. Non mais oh, eh, l'arbitre, je sais bien qu'ils sont loin d'être au même niveau que nous, mais quand même, ils sont pas trop gentils avec eux, tu vois. Sinon, c'est pas drôle. Allez, go. On s'approche de la zone de vérité. Ah, attention, attention, attention. Tranquille. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est ouais, pas ce que je voulais. Centre, mais c'est le défenseur. Il m'a surpris. Je lui avais rien demandé en plus à la base. Je voulais qu'il joue, ouais, je voulais qu'il avance et tout. Et que dalle là. Bon, c'est dangereux là. Hein. Pour eux, ils ont du mal. Ils savent pas trop quoi faire. Ils disent oh, putain, est-ce que je balance? Est-ce que je balance en touche? Est-ce que je dégage? Est-ce que je joue en passe? Est-ce que je sais pas? Je suis perdu. Ouais, elle a lutté après un peu reprendre. Allez. Ce ballon. Bien joué, allez, ça passe pour l'instant, Galax. Les 30 derniers mètres. Oh oui, attention, Galax qui met tout le monde dans le vent. Galax peut-être. Non, c'est nul. Ah, ça ne passe pas. C'est nul. Je mets tout le monde dans le vent, mais je vais pas au bout, quoi. C'est magnifique. Ouais, non, finalement. Allez. Ça a été intercepté. Oui, ça passe. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe. Oh bordel, qu'est-ce que t'as fait? Penalty. Carton rouge. Un corner. Un corner pour l'équipe défense. C'est compliqué ce début de match parce que. En fait, ils sont tellement nuls et ça se ressent bien. Ah oui, de la tête. Ah merde, ouais, la bonne trop sur le gardien qui conserve bien. Ah, c'est moi qui fais la tête. Et ils sont tellement nuls que je peux faire une tadée donc. Incroyable. Nyang. Merde. Excuse-moi. Attention à cette. C'est de ma faute évidemment. Allez, vous essayez de récupérer ce ballon. Allez, c'est récupéré par l'équipe de France. Coquelin. Ou Mbappé. Non mais. Mais c'est pas possible. On n'y arrive pas contre eux quoi. C'est pas normal. Allez, Galax maintenant. Galax profondeur maintenant. Le tir. Ah, c'est repoussé par le gardien. Mais c'est incroyable quand même. Incredible. Allez, le corner maintenant. Peut-être la tête de Galax. Oh, la barre. C'est pas possible. Le poteau. Le bel effort du français. Regardez-moi ça, la tête. Boum. Sur la pointe. Limite, le ballon, il fait. Incroyable. Quel dommage. Allez, on va essayer de marquer l'autre là-haut. Ça. Ah, je pensais qu'il avait passé par derrière, pas du tout. Ah voilà, c'est ce que je disais. Et ça dégage. Il pose le jeu. La pression. Bon espace. Ouf, putain, j'étais sur la trajectoire en plus. Allez, bien récupéré. Et qui est perdu. On en voit là-bas. C'est bien joué pour l'équipe de France. Occasion. Les bleus à l'action, les bleus à l'attaque. Allez, allez les bleus. Allez les bleus. Allez, boum. Parce qu'on faut maintenant le tir peut-être vite. Et le gardien qui, peut et le gardien qui a réussi à capter cette balle. Pour l'instant 0-0 contre Afrique du Sud. On va quand même pas nous faire un France-Luxembourg. Non mais quand même, s'il vous plaît quoi. On est en train de faire exactement un France-Luxembourg. Allez mon grand, la frappe. Et ça rentre, bim. 1-0 pour l'équipe de France. Merci. Et la passe décisive de Galax pour Coquelin. Youhou! De la surface, il déclenche ce tir tendu qui va. Impeccable bien. Regardez-moi ça. La passe et belle frappe du gauche hein, de Coquelin. Numéro 34. F46. C'est donc l'ouverture du score. Coquelin. Pardon. Allez. On va y aller maintenant. 1-0, on est content. On ouvre enfin ce score. En 1-2. Je sais pas si ça se dit, on ouvre le score. Enfin bon, bref. Je sais que ça se dit ouverture bon, du score, mais on ouvre le score, je sais pas. Pas fini. Oh, il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe. Cette de faute France. Le mec. Cette faute alors qu'il n'y a rien, tu sais. Non, mais oui. il m'a pris le ballon, donc c'est pas normal. Allez, passement de jambe. Alors, essayer de jouer un petit peu solo ici. Action solo. Attention, oh merde. J'aurais pu me blesser en plus. Hein. C'est pas bon comme ça de tirer dans les défenseurs, c'est une mauvaise idée. Attention, danger les gars. Léo Dubois. Allez, non, j'ai l'action là. Allez, c'est la mi-temps. On va faire le match complet, bien sûr, pour conclure. Et donc, 1-0 effectivement pour l'instant pour l'équipe de France. Et Francis Coquelin qui a marqué le but. Un tir, un but. Que faire de mieux pour Coquelin qu'un tir, un but? Eh ben, je ne sais pas. Bien joué, mon Coquelin. Numéro 34 de l'équipe de France. Moi, j'aimerais bien voir quand même des Mbappé,
des mecs qu'on a actuellement en équipe de France, quoi. Enfin, actuellement en tant que titulaire sur les dernières compositions. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Ce serait pas mal. Allez, on y va, c'est parti. Et oh, l'autre qui me fait un tac direct. Carton rouge. Ça va pas, non? Il est fou, lui. Est-ce ce ballon qui traîne? Il est fou. Il est fou, Flou, il est fou. Allez, bien joué, bien récupéré. Par à l'avant. Oh là, putain, il est arrivé, j'ai rien compris là. Attends un peu, mon gars. Calmos, muchachos. Allez, en tout cas, on est en pleine forme, hein. On a encore une belle barre. On a bien récupéré, il faut, faut. Mais putain, je fais que des conneries avec, avec les bleus. En même temps, c'est pas le. C'est pas Manchester hein, non plus. Hein, c'est plus étrange, plus obscur. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Défenseur amorti de la poitrine pour passer au gardien, tu sais. Allez, on reste devant si jamais on réussit à intercepter le ballon, mais c'est pas le cas. Nabil Fekir. Allez, très bien. Bien transmettre Coquelin le buteur actuellement aujourd'hui. Au joueur qui va faire son entrée. Allez, tranquille. Nous on va rester ici. Il se prépare à annoncer ce changement. C'est pas ce que je voulais. Et tout le monde participe à cette séquence de passes. Mec, tu m'as vu. Ils sont en train de poser leur jeu. Allez, bim, la passe. La frappe maintenant. Dommage. Mal tiré, trop au centre, trop sur le gardien. J'aimerais bien marquer un second but hein, aujourd'hui quand même. J'aimerais beaucoup. T'as failli me tirer dessus. Ça aurait pu le faire. Bon, j'aimerais bien marquer un but, bordel. Attention. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Frappe de galère. Ah putain, toujours contré, c'est impossible. On n'est pas loin de pouvoir l'armer, hein. On n'est pas loin. Allez, bien récupéré. Ouais, bon tacle, on repart. L'arbitre, tu vas me gêner, fais gaffe là. Bien joué, bien joué, bien joué. Non, non, non. Ah, il s'est fait piquer, c'est incroyable. Stopper cette offensive. Aïe, aïe, aïe. Essayez de pousser les. Hey. Et la très bonne intervention. Moi je vais y arriver, c'est incroyable. Ah, c'est quand même vachement serré. Non, arrière. Parce que de toute façon, ça fait piquer. Ouais, il a pris l'information. Frappe de Galax. Bim. Voilà. Non, mais oh. T'as fini les bêtises là. C'est le but qui leur donne un petit peu plus. Oh, mais incroyable. Ça voulait pas rentrer, ça voulait pas y aller. Regardez. Passe pour footer magnifique. Et la femme en puissance. Bim. Voilà. Je suis supérieur. Je suis. Le summum du football. Premier but en amical international pour ma Galax. Ah bon? Le score qui est désormais de d'accord. 2-0. C'est fou ça. Ah, peut-être que les autres c'était que de la compétition alors Coupe d'Europe. Peut-être. D'accord. Il est dépossédé du ballon. Allez, on y va. C'est parti alors maintenant. On est chaud maintenant qu'on a marqué un but. Demandé, a priori, c'était psychologique. Fallait débloquer le compteur. Allez, on y va. C'est parti. Oui, il y est maintenant. La frappe. Fekir. Tu fais quoi? Et l'équipe de France qui obtient un corner. Incroyable ça. Voilà, c'est trop sur le gardien évidemment. Trop sur le gardien. 9,3 de moyenne pour moi dans ce match. Ah, dommage que les moyennes elles comptent pas sur les matchs importants. Parce que c'est vrai que je suis meilleur sur les matchs importants que sur les matchs de championnat. C'est fou hein. Allez go. Oh oui, magnifique. Magnifique. La frappe maintenant tout de suite. Et c'est encore une fois à côté. Mais pourquoi il arrive jamais à te la coller? C'est phénoménal ça. Pourquoi il arrive jamais à te la coller? On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Allez go. Voilà, pourquoi pas. Attention, mais t'as pas vu le défenseur devant toi, putain, bordel. Tu l'as pas vu devant toi, non? Ça devrait se faire au prochain arrêt. Incroyable ça. Je râle pas du tout, hein. Non, non, je ne râle pas. C'est juste que je les vois comme ça, ils regardent les joueurs, mais non, ils s'arrêtent pas. Waouh. La faute. Ah oui, la faute, mais quand même. C'est un minimum là. Un petit carton, ça aurait pas été volé non plus. N'Golo Kanté qui va rentrer, qui remplace Blaise Matuidi, ce diable d'N'Golo Kanté. Les bleus. Allez vers Galax maintenant. Les bleus qui se font effectivement plus pressants. Galax maintenant, attention. Frappe de Galax. Non, mal shooté. On persévère, mais c'est mal tiré de la part du. Il a pas cadré. Du soulier d'or, disons. Il ne reste que 8 minutes. Ou du ballon d'or. Allez, 83ème minute. 2-0 pour les bleus. C'est pas mal, mais c'est vrai contre Afrique du Sud, on peut faire mieux. Hein. L'équipe de France qui se rapproche. Mais pourquoi j'ai foncé dessus? Pourquoi j'ai foncé dessus? Je sais pas. Un petit peu trop vite. Je sais pas du tout pourquoi j'ai foncé dessus. Et c'est bon, y a pas Benzema non plus dans l'équipe de France là. Entraîneur de l'équipe. J'ai chuté. Qui va faire entrer du centre. J'ai chuté. Oui, on va voir si c'est. J'ai glissé, chef, comme on dit. Repositionnement tactique. Allez, bien joué. Bon mouvement amorcé. Bien délivré. Allez, on va au centre, les gars, on va au centre. Ah, corner. Il restera du coup une petite occasion de corner ici. En corner. Allez, un petit corner, peut-être pour l'équipe de France, pour les Blues.
Allez, peut-être une tête de Galaxe. Ouh, attention, maintenant, vas-y, le gardien qui repousse. Allez, encore une action. Encore une action, messieurs. Encore une action pour Galaxe maintenant. Faut pas la foirer, faut pas la foirer. La frappe. Et je l'ai foiré. Cette fois, bien joué, Galaxe. Et voilà, c'était magnifique, mais en tout cas, une dernière frappe. Et voilà, ça va être la fin de ce match, mesdames et messieurs. On s'est bien amusé, on s'est bien éclaté. Et ça fait du 2-0 face à l'Afrique du Sud. Ce qui est plutôt pas mal, j'aurais préféré du 3-0, ça aurait été plus joli. Mais enfin bon, on est quand même content. Allez, fin de ce match. Et surtout, on retiendra bien sûr le but. Le premier but plutôt, qui était vachement sympa. Bien joué tout de même à l'Afrique du Sud. C'était un beau match. Même si ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasions. 8 tirs, un but. Franchement, les ratios de tirs convertis pour le Galaxe sont pas dingues. Vraiment pas dingue. Et c'est Coquelin qui, pour moi, a marqué vraiment un beau but aussi. Franchement, très belle frappe. Allez, bah écoutez, c'est la fin, les amis, de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vidéo un petit peu longue, 35 minutes. Je pensais pas que ça allait durer autant. Un grand merci à tous. On se retrouve, les amis, très bientôt pour la suite. Bien sûr, on jouera apparemment contre qui ? Attendez, on va regarder le calendrier. C'est qui ? C'est la Slovénie ? Ouais, c'est la Slovénie, effectivement, il me semblait. J'ai dit à la Russie, après j'ai regardé, j'ai fait non, c'est pas le drapeau de la Russie, ça. C'est la Slovénie. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Vive les jeux vidéo, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Portez-vous bien, et à la prochaine. Salut tout le monde.